Hey yo tout le monde, c'est TheLegoCraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, c'est une vidéo un peu de discussion et demande on va dire. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais vous demander, je vais vous montrer c'est cette classe Keyspace, voilà. Je vais vous dire pourquoi il n'y avait pas beaucoup de vidéos ces temps-ci. Et voilà. Donc, nous commençons cette vidéo dans un angle bof bof, voilà. Mais sinon, il n'y a pas tout qui rentre dedans. Donc maintenant, je vais remettre comme d'habitude, voilà. Donc, je vais vous dire pourquoi je ne mettais pas de vidéo pendant assez longtemps. Parce que, j'avais une tablette, voilà. Donc, celle avec laquelle je faisais les vidéos. Sauf que là, elle s'est cassée. Donc du coup super, donc du coup mon père il m'a donné la sienne, donc du coup super, mais je savais pas faire des vidéos avec, donc j'ai fait celle de Mascas, la présentation de Mascas, je sais pas si vous l'avez vue, elle sera là, ou je sais pas faire du tout quand c'est ici, mais cliquez ici peut-être, mais enfin voilà, donc c'était pour cette vidéo, et donc du coup, je l'ai postée, mais il y avait zéro montage, il y avait même pas de miniature, donc du coup, à Noël, j'ai eu un iPod, voilà. Donc là, je suis en train de faire cette vidéo avec cet iPod, voilà. Et donc, du coup, c'est la première vidéo que je fais avec cet iPod sur Galactic Space, voilà. Donc, ma passion, c'est ce que je préfère par-dessus tout dans l'univers Lego. Voilà, pour vous, c'est peut-être rien, sauf que pour moi, c'est beaucoup. J'ai eu 5 sets, voilà, j'ai fait une commande, elle est arrivée ce matin, j'ai tout construit, j'étais super content. Dans cette commande, nous avons le détecteur de minerais, enfin, je ne sais pas ce que c'est le nom de ce set, mais voilà, donc c'est le détecteur de minerais bleu, on va dire. Détecteur de minerais numéro 1, numéro 2, plutôt. Le détecteur de minerais numéro 2, voilà. Parce qu'il y a deux détecteurs de minerais. Le buggy de l'espace. Voilà. Le buggy volant. Et le vaisseau Futuron. J'ai oublié le nom de ce set. Mais je sais qu'il y en a un en particulier. Voilà. Donc je ne vais pas les présenter dans cette vidéo. Hein, parce qu'il y en a beaucoup. Et que sinon ça ferait pas de vue. Le gars pensait à l'argent, non c'est une blague. De toute façon je monétise pas mes vidéos. Mais voilà, donc j'ai seulement 3 instructions, mais bon ça c'est pas grave. Mais mettez dans les commentaires le nom du set que vous voulez que je présente. Voilà. Et mettez des noms de vidéos, enfin si vous voulez que je fasse des vidéos en particulier. Mais vous inquiétez pas, je vais très vite reprendre les vidéos. Ça arrive. Les vidéos à court de une vidéo par semaine, je pense que ça va recommencer. Enfin, j'espère. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était assez courte et c'était surtout de la discussion. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si ça vous a plu, mais c'est pas la meilleure des vidéos, hein. À vous abonner si c'est pas déjà fait, à aller voir la chaîne de Lieutenant du 83, il fait plus beaucoup de vidéos mais il va en refaire, il m'a dit qu'il allait en refaire du Star Wars, voilà, aussi il y a Lolo Geek Switch, je crois, oui, il a une chaîne YouTube, c'est un de mes amis, il a pas beaucoup d'abonnés, donc essayez de l'aider. Donc c'est tout pour cette vidéo, et sur ce, bye bye. Hello.